Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des survivalistes parano. C'est parti. Alors, on va parler des survivalistes parano. Alors, effectivement, dans la communauté survivaliste, et comme dans toutes les communautés, etc., enfin bref, il y a toujours un peu les extrémistes, on va dire. Et donc, effectivement, il y a des survivalistes qui sont carrément parano. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors, si j'avais un truc à dire aux gens qui ne sont pas survivalistes, enfin, on met tous un peu survivalistes, si j'avais un petit truc à leur dire, ne pas adhérer à la fin du monde, ne pas penser qu'il y aura une normalité, chacun a libre de penser ce qu'il veut, et ça je le rappelle bien, on n'est pas là pour critiquer les gens. Mais on peut voir en ce moment ce qui se passe aux États-Unis, moins 48 degrés. Pour les gens qui ont un minimum de stock, ça peut être pas mal. On ne peut pas sortir moins 48 degrés, vous imaginez. Déjà en France, il y a 10 cm de neige à Paris, c'est la panique même. Alors là, moins 48 degrés, j'imagine même pas l'ensemble de la population qui va péter un câble. Mais si je devais dire un mot aux gens qui ne sont pas survivalistes, vaut mieux prévenir que guérir. Au final, vaut mieux avoir une réserve, vaut mieux. C'est mieux. Un survivalisme ne pense pas à la fin du monde. Bien, on n'est pas forcément. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe naturelle. Je veux dire. Une météorite qui sera sur la Terre, bon, ça sera pas comme Armageddon, mais je veux dire, Bruce Willis, ou le personnage, les héros, ou même l'armée ne viendra pas vous sauver, je veux dire. Qu'on soit survivaliste ou pas, après, s'il y a une catastrophe naturelle, d'ampleur mondiale, même les survivalistes, ne survivront peut-être pas, je veux dire, à la patte du météorite, enfin, d'un astéroïde, ce que vous voulez. Je m'égare un peu. Bon, les survivalistes, ils sont parano, on se rassure aussi un peu, je veux dire. Là où je dirais un survivaliste parano, c'est pour l'instant, je peux acheter ta bouffe, je peux faire des réserves, je peux faire le maximum de choses pour préparer, mais on est encore capable, mais encore, c'est encore faisable de faire des réserves. Profitons, ne soyons pas parano, mais profitons-en de nous préparer. Pour les gens qui ne sont pas du tout dans ce délire-là, qui sont pas, qui n'adhèrent complètement pas, qui pensent que les survivalistes, ce n'est pas parano. C'est plus que parano, parce qu'il y a les parano normales, mais il y a les parano. Voilà. Pour ceux qui pensent que le concept de survivaliste, c'est débile, c'est leur choix. Mais il faut même penser qu'il y a des choses au niveau du climat qu'on ne peut pas changer. On peut pas. Je prends l'exemple du climat, c'est ce qui se passe actuellement. On ne peut pas changer ces choses-là et mettre humain, il ne peut rien.
quand la nature elle a décidé de... bah, me dire merde, bah oui, merde. Et puis donc, voilà, il faut... Bon, il faut se préparer. Hein. Ciao.